Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Nouvel Espoir sur Battle Brother. On se retrouve à Hohenbrook, là où on s'était quitté, hein. On avait une petite quête à prendre qui devrait pas être trop complexe, donc on va la jouer. Qui aura peut-être une suite en plus, donc c'est pas plus mal. On était soignés, on avait affronté des araignées qui nous avaient fait un petit peu mal, mais la vie va remonter doucement. Ouais, c'est pas trop un problème. Je vois même pas pourquoi Akatsuki a pris des dégâts d'ailleurs. Ouais. On avait Papillote qui avait un niveau, j'avais pas fait gaffe. Alors est-ce qu'on le joue tireur? Ah, ces stats en mêlée sont pas ouf, hein. Ouais, on va commencer doucement à l'améliorer en tant que tireur. Est-ce qu'après tout. On a pas tant que ça de bons tireurs, hein. Enfin on a aucun bon tireur en fait, il y a Charles éventuellement, mais c'est franchement pas trop ça. Gifted non, Executioner, Pathfinder pas vraiment. Alors on pourrait prendre Student pour le coup, pour lui il peut aller plus loin que le niveau 11, donc que le niveau 7. Vu que c'est un Hone Master qui a un peu trop apprécié de pouvoir mettre des colliers sur les humains. Qui est devenu sadique. Ok, alors il faut qu'on explore une zone. C'est par là. J'avais pas fait gaffe, mais c'était dans le coin. Steering Crypt. Et bah c'est parti. En avant, niveau bouffe, on va peut-être se refaire un peu de. Un petit peu le plein quand même. Qu'est-ce qu'on a de beau dans le coin? Du poisson, c'est pas ouf. Du pain c'est cher, des fruits c'est cher, bon, on va prendre du grain, hein. Ça on peut le vendre, ouais, pouf, c'est pas dingue. Allez, on est parti, on va essayer d'en profiter pour explorer ce fameux croisement. Bon, en général quand on a une quête comme ça pour découvrir une crypte, ensuite il y a une quête pour aller l'explorer, donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. Ici une petite colline. Crypt of Midnight, non c'est pas celle-là, pas de bol. On va essayer de passer là, il y a des petites collines à droite à gauche là. Éventuellement on passera à Brunland en revenant pour voir s'il y a des quêtes. Bah, visiblement rien de fifou dans le coin, en espérant que c'est pas genre planqué là ou une connerie du style. Bon, vraiment intéressant. Il y a toujours les camps là, hein, qui sont potentiellement énervé, many brigand riders, on a absolument pas envie d'aller se frotter à ça pour l'instant. On va essayer de voir si ça serait pas dans la chaîne de montagne qui est là. Que quand on dézoome, Maraman, c'est quand même tout ce coin là quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? So many, donc il y a tant de personnes intéressées par la Staring Crypt que je ne peux pas vous en vouloir d'être sur la défensive. Just far away to the east in the steppe. Ok, donc on est sur la bonne route, c'est déjà bien, c'est à l'est. J'aime bien ces petites quêtes du mec qui se pointe puis qui dit au fait, lol, c'est par là. Donc dans les steppes, ça tombe bien. On est dans un truc qui ressemble plus ou moins à des steppes quand même. Alors, on nous a dit que c'était loin à l'est, hein, donc du coup ça va jusqu'ici Manaran, ça me paraît douteux, mais peut-être. Bon, il y a des petites collines. Ok, une forteresse abandonnée. On peut faire des trucs avec ça? Ça a l'air complètement abandonné, mais laisse vraiment. Ouais, ok, on peut rien y faire. On va quand même éliminer la possibilité que ça soit dans le coin.
Très bien. Du coup, on n'est absolument pas passé par la ville, hein, mais c'est pas grave. J'étais persuadé, franchement, que ce serait dans ce coin-là. La taille de la zone, Maraman, ouais, remarque, ça voudrait dire que ça va jusqu'ici derrière, donc. Ça peut garder du sens. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, je veux pas te filer de la thune, merci, ça ira bien. Niveau nourriture, ça devient un peu tendax quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, on tombe sur une vue étrange, un homme qui a été planté dans le sol avec des lances. Son propre sang a été utilisé pour faire des cercles autour du corps et différents rituels plus ou moins douteux. Alors, Yilek commence à récupérer les lances. On essaie de lui dire de s'arrêter, mais c'est déjà trop tard. Il tient les lances à la main. Quoi? Ce sont de bonnes qualités, pourquoi est-ce qu'on les laisserait ici? Bien, si c'était, s'il y avait une protection divine, elle est déjà cassée, donc tant qu'à faire, on prend les lances. Parfait. D'ailleurs, je me fais penser que je crois qu'on avait eu une lance un peu plus performante. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui en aurait avantage? Voilà, une boar spear là, très bien. Wow, les miliciens spear, c'est pas dingue. Alors pour l'instant on n'a toujours pas de nouveau nom de zone, donc on est a priori toujours dans la zone de Manaran. Ah, ici il y a des morts vivants. Ah, ici on est dans les Hawkwood. Mais on va quand même jeter un œil à... Ok, parfait, c'est là. Il y avait des morts vivants, ça faisait sens. 11 morts vivants avec un nécromancien, ça pue du fion. Un nécromancer, des windganger, des armorés de windganger. Ah non, c'est une idée de merde, ça on va faire demi-tour. Genre vite. Alors. En plus, on n'a plus de bouffe. Donc ça tombe bien. Très bien. Ok, il nous avait collé un éclaireur au cul qui est revenu lui dire avant qu'on arrive qu'on avait trouvé. Bah écoute, ça me va, tant que tu payes, moi, mon branle. Donc on n'a pas de suite pour la quête. Ils nous aiment un peu mieux quand même. Mais ils nous vendent quand même toujours leur truc à un prix assez aberrant. On va acheter un petit coup de comme ça quand même. 296, ça commence à être rentable, on va le vendre ça. Et en échange, on va acheter un petit peu de Rotten Berries. On va vendre quelques milices à lance du coup. Hein. Puisqu'apparemment les dieux ne nous sont pas tombés dessus en furie. On va en profiter. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'en face il y aurait des trucs intéressants? Ah, ça c'est toujours cool, 80. Pour 200. Ouais. Le gambeson aussi qui est pas mal, 65 pour 6 de fatigue. On est comment là en termes de première ligne? 60, 90 ici pour 10 de fatigue. 115 pour 12, ouais, ça fait mal. 60, 60, et là on a un pas d'être surcote. Et on a toujours des mecs à moitié à poil derrière. Hein. Ouais, ça pourrait être intéressant quand même. On va prendre le gambeson. Et on va le mettre à toi. Et du coup, toi, tu vas prendre ce truc-là, papillote. Voilà. Et du coup, bah, on va, on n'a pas de suite, hein, donc on va certainement pas aller se frotter au nécromancien gratos. On va donc aller faire un tour à Brennenland. On a assez pour acheter éventuellement des retinue. Tiens, d'ailleurs, on en a débloqué un. Mais est-ce que ça vaut le coup avant de pouvoir reprendre notre ambition, ça vaudrait presque le coup de recruter un gars d'ailleurs, juste pour
Juste pour réussir l'ambition. On va voir comment ça se passe à Brunland. On va arriver à la nuit par contre, vu comme c'est parti. Canou, il est soigné? Ouais, il est en pleine forme. Ah, on arrive à la nuit. Bon, on va au moins voir s'il y a des quêtes. S'il n'y a pas de quêtes, ça vaut pas la peine de s'arrêter. Il y a une quête. Alors. Ah bah, une livraison. Tiefenbar. 1170 couronnes et 290 couronnes d'avance. Oula, c'est où ce truc là? 4 dés au nord-ouest. Ah oui, il nous envoie loin. On connaît ça, Tiefenbar? Non, on connaît pas. Ah si, c'est tout là-haut. En plus, c'est un bout du monde, ça, non? Ah, il faut. Faudrait qu'on lâche la route ici et puis qu'on y aille à pied, quoi. Ouais. Je suis moyen fan de l'idée, honnêtement. Ça sent l'idée de merde. J'ai plutôt envie d'aller explorer par là, voir s'il y aurait des trucs intéressants. Il y a quoi? Des villageois terrifiés. Ouais, et des routes sous embûche. On va camper. Parce que de toute façon, où qu'on aille, il faut qu'on ait de la nourriture, donc on va devoir en acheter. Hop, voilà, on arrête de camper. Donc la quête, on va pas la prendre tout de suite. Est-ce qu'il y a des gens éventuellement intéressants? Ah, on a ici un potentiel tireur. À un prix somme toute pas inintéressant. On a un eunuque. Et ici, on a un footman avec une fourche de guerre. Ah. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Un tireur, ça pourrait être intéressant. On pourrait du coup laisser tomber un peu. On lui avait mis quoi lui là? Ouais, quick hand quand même. Et toi t'as quoi? Pour l'instant t'es plutôt spécialisé tir toi, même si t'es mauvais. Les papillotes également, ils perdent tellement loin en tir quoi. Ouais bon, j'ai claqué des points là, mais on va peut-être plutôt essayer d'en faire quelqu'un qui tape. Hein. Ici pareil, pareil. Canu, ça vaut le coup de monter les deux parce qu'il a sa lance à feu là. Ouais, niveau tir, c'est franchement pas ça quoi. Est-ce que ça vaudrait le coup de rajouter quelqu'un? J'ai plutôt envie de renforcer ma ligne de front. On va embaucher lui, on va voir ce qu'il vaut. Bon, comme ça, on termine l'ambition en plus. Et ben, il a rien. Parfait. Bon, il vient avec une Warfork quand même. Rien que ça vaut le coup, je pense. Ça paye les sous du truc. Donc ça fait quoi déjà ce truc là? Spearwall et Prong, ça a deux ranges. Hein. Et c'est une lance. Ok, donc on pourrait éventuellement le laisser là, il pourrait renforcer le mur vu que les ennemis ont tendance à beaucoup se barrer par là. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui serait éventuellement plus intéressant à ce poste? Il se démerde très très bien avec, avec son épée, alors ça m'embête de le mettre à l'arrière. Ça dit, ça restera intéressant hein, parce qu'il fait plus de dommages mais il a moins de défense. Donc ouais, non, je pense qu'on va échanger. Tu vas filer ton équipement. Tu vas aller derrière. Toi tu files ça, tu prends ça, ça et ça. Toi mon cher, tu vas combattre de l'arrière avec tes bonus de dégâts et ta défense un peu plus pourrie. Bon là par contre du coup il est vraiment à poil niveau défense, mais on va devoir travailler là-dessus. Et toi on va te mettre un truc sur la tête par contre.
Moins 4 de fatigue. Moins 5 de fatigue, il est à 74 déjà. On va prendre ça. Voilà. Et ça, on va le réparer. Ça sera utilisé un jour. Ok, c'est pas mal comme ça. On est 12 du coup. Donc on va pas prendre la quête. On a personne à soigner. Il nous faut de la bouffe, on a dit. Oh la vache! Oh là là! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah ouais, bah forcément, oui, entre les routes embûchées et les gens qui sont pas tristes. On est à combien? 27? Oh, on en a pour moins d'un jour de trouver des gens là. Ok, on a réussi notre ambition, c'est parfait. On est maintenant 12. On va sauvegarder pour fêter ça. Et on peut aller jusqu'à 25, hein. Donc il y a quand même moyen de se faire plaisir. Et maintenant on a 4 personnes capables de fouetter. Okay, ici il y a des gens qui sont passés, c'est pas trop gênant. Alors nous ce qu'on sait, mais je sais pas si c'est parce qu'on les connaît de base ou si c'est parce qu'on l'a aperçu et que je l'ai pas vu, c'est qu'il y a 3 cités là, et on en connaît que 2. Donc je pense que la troisième doit être là. On va suivre la route hein, pour l'instant. Pas de stress. Ok. Alors, oh. une ferme à soi, de la milice, des plantations, du Godpen. Oh putain, oui, c'est une très belle cité. Coucou, il y a 2 quêtes, parfait. Il y a un taxidermiste, il peut nous faire de l'huile empoisonnée. Ouais, on prend, ouais. Bien sûr qu'on prend un alchimiste. Potion, le pot à fumer, le pot à flash, le pot à feu, toujours très bien. C'est pas inintéressant ça à vendre. On va voir si on le vend ici, c'est le même prix. Ouais, c'est le même prix. Ah, ils ont de l'encens. Mais alors, le problème c'est que si on en prend et qu'on monte, c'est pas dit que ça soit toujours, toujours intéressant. En tout cas, c'est un bled très riche, n'est-ce pas? Franchement très riche. 75 pour 7 de fatigue, c'est pas mal hein. Ouais, on est sur combien avec le gamzon? 65 pour 6 de fatigue hein. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Voyons voir c'est quoi les quêtes déjà. Alors une livraison à Whitebleak. On connaît Whitebleak. 590 couronnes, ça pourrait être intéressant. Et l'autre c'est quoi? Ah, super, sympa le mec. Ah, des mercenaires, j'avais presque oublié que j'avais demandé que vous veniez pour ruiner ma journée. Alors, très bien. Il y a des nomades qui sont en train de buter ces caravanes. Donc ça serait là, nanana. Donc faut qu'on attaque un camp de nomades pour 920 couronnes. Ça serait jouable, je pense. On va prendre. On va voir comment on peut s'en tirer. Je pense que c'est envisageable. En plus, on a plutôt des bons moral, un bon moral là. Alors est-ce qu'on se prendrait pas un petit peu d'équipement? Alors déjà de la nourriture. Ça sert de prix, ça sert de prix, des dates, c'est hors de prix aussi, le pain est hors de prix. On va acheter un peu de riz, hein, faute de mieux. Pardon, je vais regarder aussi du coup, si on achète un truc comme ça, ça c'est que 168. Hein. Je me tâte vraiment. Vraiment, vraiment, non, pour l'instant on va être sage. En fait leurs trucs sont vraiment bien, 125 de fatigue. Par rapport par exemple à ça, 105. 105 pour 5 de fatigue. Et ça c'est 125 pour 7 de fatigue. Ouais, en fait c'est relativement kiff-kiff. Ouais.
Bon, on va rester comme ça. On va vendre peut-être un petit truc comme ça. Allez, je craque et on investit dans un linothorax. En échange. Alors, le linothorax, ça va être. Il est où? Il est là. Ça va être pour toi. Et du coup, le gambaison. Qui c'est qui est bien. Tiens, bah, Ginji, un petit gambaison. Qu'est-ce que t'en penses? Horst, du coup, tu gagnes la padded vest. Et vous, c'est 50, hein, votre truc de défense déjà, donc c'est pas mal. Akatsuki va enfin passer à autre chose que des guêtres. J'espère que tu seras content et que tu tireras mieux. Alors, c'est où? C'est là-bas. C'est tout là-bas. On va sauvegarder. Save, oui, c'est bon. Je vais plus avoir maintenant. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. Et on va voir s'ils peuvent nous aimer un petit peu plus. Il y a moyen qu'on trouve de la nourriture, donc. Donc on est sur un tas de pierres recouvertes de sable. Pas un truc de défense de fou, hein. Je sais pas si dans le désert on consomme plus. C'est pas évident. Ah, si c'est marqué. Non, les hommes vont déserter, pardon. C'est le même mot, mais c'est pas pareil. Allez, est-ce qu'on peut y arriver avant qu'il fasse nuit? On voit pas du tout ce qui se passe par contre. Il y a 6 hommes avec des armes qui tirent à longue distance. Mais on a une position relativement défensive, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors ça tape à 2, ça tape à 3, ça tape à 3. On est sur du Outlaw par contre, hein. Donc le Outlaw, c'est des mecs qui sont plutôt compétents. J'aurais peut-être dû attendre avant de tirer. Bon, il a touché donc ça va. Ouais, va falloir avancer au corps à corps, hein, contre eux. Le problème c'est que lui a décidé de pas venir. Après avec le fouet. Ah, ils vont essayer de me désarmer, tu me diras, mais normalement ils devraient quand même galérer un peu à nous toucher. Alors on va fouetter un peu toi parce que tu vas prendre la tête. Toi également. Alors toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu iras ici, toi c'est ça. Hop, on avance d'une case. Allez hop. Ici, on crame un coup. Oh sérieux, on a raté les deux quoi. Échec! Alors ici, on va se contenter de faire un mur de pique pour l'instant. On avance. Un mur de pique. Donc là, on est engagé avec ce petit con et ses, sa grosse hache. J'oserais dire que ça m'emmerde un peu. Ok, c'est propre. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il se met à deux, sans surprise. Ici, on peut pas avancer. On va se préparer ici à se mettre à portée de l'autre. Si j'avance ici, je peux taper. Parfait. On peut peut-être le finir. Ah merde, raté, putain. Ça c'est la tristesse. Je suis super déçu de la lance là. Franchement la lance elle a vraiment fait de la merde sur ce coup là. Oh putain. Ok, il nous a désarmé qui? Je suis pas sûr. Ok. Ça c'est parfait. Ici, lui, il a décidé d'avancer. On va donc se rater, parce que pourquoi pas. Donc ici, on a pris des risques. On a bien avancé. Mais cela dit, il n'y a que des gens à distance ici, donc faut qu'on avance. Là, on va se placer là, au cas où lui décide d'avancer. Mais pour l'instant, on va attendre un peu. On tire dans le tas. On peut rien faire d'autre de toute façon, on va se déplacer par ici. Alors là. Putain. Alors ok, ici on peut avancer, c'est cool. On va y aller.
Alors c'est pas lui le plus dangereux, c'est clairement lui, mais on va attendre si jamais on peut réussir à fouetter quelqu'un. Voilà, on peut mettre un petit coup de fouet, c'est parfait. Et un petit coup de fouet sur toi également. Allez, faut percer son armure, tranquillement on y arrive. Raté à 84%, pourquoi pas. Ici on refait ça, puisque de toute façon ils ont plus que là où venir. Pareil là. Oh, allez là, deux tirs à 50%, il y a peut-être moyen qu'on y arrive à un moment. C'est ouf. Alors ici on avance, on peut fouetter, on va fouetter lui. On a pu mettre un coup, c'est toujours ça de pris. Ici on défend. Oh la vache, ça fait mal au fion. Oh non, ils ont tué nous avec un fouet quoi. Surréaliste. Ça fait tellement mal. Ok, on profite qu'on est en hauteur, on tire. Lui s'enfuit. Lui, on va le taper. Ok, on fait rien comme dégâts, c'est parfait. Ici, on va avancer. Oh putain. Oh, allez quoi. 71% de chance, les gens. Ça suffit un peu. Bon, faut lâcher les chiens là. Merde, du coup avec le chien on peut plus tirer. Bon, c'est pas grave. On va tirer sur lui. Non, alors faut qu'on avance là. Raté. Pareil, faut qu'on avance. Même si c'est un peu risqué. Putain, lui il va crever alors qu'on vient. Horst va mourir, je sens là. Fait chier. Ah, ces échecs de coups là. Ouais voilà, wow, on va recharger cette partie, c'est pas possible. Les mecs ils nous font des trucs de taré avec des fouets là, on rate des coups à 84% encore. Ça va peut-être suffire un peu les conneries. Ok, donc ça c'était le chat qui faisait le con. Bah ouais, on va quitter cette partie, on va recharger, parce que ce combat ne me va pas. Voilà, je le dis, des fois il faut. Et du coup, l'épisode est assez long, on va s'arrêter là pour celui-là, on fera le combat lors du prochain. Avec un peu de chance, vous m'aurez donné quelques petits noms, donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je crois qu'on a deux personnes au moins à nommer, on a Smud et Horst à nommer. Donc on reste là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, désolé pour le petit glitch, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce si vous avez envie, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.